La troisième étape du Dakar 2010 a été riche en rebondissements pour les pilotes. Au menu du jour, 441 km entre Lariora et Fiambala. Pour la première fois cette année, les quatre catégories engagées ont emprunté le même tracé de spécial. Après une liaison de 259 km, les concurrents se sont départagés sur seulement 182 km de spécial, soit la plus courte de cette 32e édition. Chez les motos, le plus fort du jour, c'était Cyril Desprez. Le pilote français a parfaitement négocié les premières du Dakar 2010. Au guidon de sa KTM, il a imposé un rythme de tous les instants aux autres motards. Sur seulement 182 km, le tricolore a en effet creusé un écart de 10 minutes et 40 secondes sur Elder Rodriguez, deuxième à l'arrivée. La journée était beaucoup plus morose pour Marc Coma et David Casteux. Le tenant du titre s'est débattu avec sa machine. Certes, il a commencé par signer le meilleur temps au premier point de passage, mais des ennuis de moteur l'ont forcé à s'arrêter à plusieurs reprises. David Casteux, lui, a également été contraint des ralentissements. Pour ménager le moteur de sa Sherco d'abord, puis pour prêter main forte à son rival et néanmoins ami, Marc Coma. Mais décidément, ce n'était pas le jour du français, puisqu'une défaillance de batterie l'a alors temporairement empêché de redémarrer. Victoire donc de Cyril Desprez à l'arrivée à Fiambala. Coup double pour le pilote tricolore, il prend même le commandement du classement général. Ses poursuivants sont loin, David Casteux est à 10 minutes, Elder Rodriguez à 17. Enfin, Marc Coma lui accuse déjà un retard de 42 minutes sur le leader. En auto, quelques favoris ont subi les mêmes déboires que leurs collègues motards lors de cette troisième étape. Dani Roma a été bloqué dans un trou après 92 km de course. La deuxième sortie de route pour l'Espagnol en deux jours, ça fait beaucoup. Gignal de Villiers, lui, a dit au revoir à toute chance de doubler. Le tenant du titre a été contraint de s'arrêter au kilomètre 50. Le Sud-Africain victime d'une panne de moteur. Mauvaise journée également pour Robbie Gordon et son Hummer. L'Américain qui concède au vainqueur du jour près de 55 minutes. Le vainqueur du jour, parlons-en, il est français, une figure du Dakar. Parti en 6ème position, Stéphane Peter Hansel a dépassé sans ménagement Carlos Sainz et Nasser Al Attiyah. Le pilote BMW X-Raid a avalé kilomètres et dunes, et ce à un rythme effréné. A l'arrivée de la spéciale, le festival de Pistol Pit a payé puisqu'il empoche sa première victoire d'étape sur le Dakar depuis 2006. Grâce à ce succès, la nouvelle recrue du team BMW devient même le nouveau patron de la course. Derrière lui, on retrouve Carlos Sainz à plus de 4 minutes. Nasser Al Attiyah lui rétrograde à la 3ème place.